Maxime Prévost, si vous aviez continué à jouer du sifflet, ou en d'autres termes un peu moins scabreux, si vous aviez persévéré dans votre carrière arbitrale, peut-être vous aurait-elle amené à sillonner les routes merveilleuses, non pas celles de la citadelle, mais celles des Flandres, du Pajottenland et de la Campine. Quelle joie, quelle allégresse pour vous d'aller siffler un bouillant Brakel Zikesus Bolder, véridique, ou un trépidant Eistrup den Berg Tessenderlo, et tout ça dans une délicate odeur d'olive oleu et de bratwurst. Que demande le bénéfice de plus, franchement. Voilà. Mais malgré ce cruel manque d'expérience extrême, la Flandre, celle des chefs-d'œuvre d'Helmut Lotti et de Van Eyck, celle des grandes personnalités et autorités morales que sont Jean-Marie Pfaff et Yann Bucois, cette Flandre a-t-elle encore un secret pour vous? Verdict dans cette boîte. On est parti pour un petit tirage au sort. Yeehaw, on demande. Voilà. Et on doit mettre la casquette. Ah, c'est encore mieux. Peut-être qu'il y a un bonus si on met la casquette. Allez, voilà. On recule devant rien. Voilà. Ok, on va démarrer. Alors, justement, la casquette est à propos, puisqu'on parle du Tour des Flandres. Est-ce qu'il se déroule exclusivement sur le territoire flamand? Eh bien, je vais vous faire un aveu. Tout échevin des sports que je sois en plus, c'est dramatique. J'adore énormément de sports, mais je ne parviens pas à me passionner devant mon poste de télévision de longues heures durant pour une course cycliste. Mmh. Et donc, je suis incapable de répondre à la question. D'accord. On aura aussi les réponses un peu plus tard. Et que nos amis cyclistes ne m'en veulent pas. J'adore le sport, je les soutiens autant que je peux. J'essaye de faire du vélo quand j'en ai le temps, mais... Dans quel quartier se situe le zoo d'Anvers? Ça te rappelle peut-être des excursions scolaires. Répondre Anvers, à côté de la gare, c'est tout ce que j'ai en mémoire. En parlant de classique, quel est le tube qui a le plus contribué à la notoriété d'Urbanus? Oh la idée. Alors là, mes qualités musicales sont assez restreintes. Moi, je connais à l'époque, quand j'ai fait un stage d'immersion linguistique, c'est ça aussi le charme de la Belgique, c'était une immersion linguistique en flamand, en communauté germanophone, ça ne s'invente pas. Je me souviens d'avoir appris une petite chanson de Lux Tenno. Eispel de accordéon, et la laine vous vont se tuer. Eispel de accordéon, et ne craignez pas. C'est quasiment en goulard, mais là c'est pas en français en plus. C'est quand les osios chantent dans les bois. Ah bon? Au lac de Bambo, il est diffusé en boucle. Donc et c'est flamand ça? Mais Urbanus en tout cas est très flamand. Ah bon, les flamands aiment beaucoup chanter en français. L'avantage avec votre jeu, c'est que je dormirai moins bête ce soir. Alors ça c'était des questions à Jean-Marie de Lisée, donc ça c'est... Ah ben pardon. Le Ken de Vlaming a été à deux doigts de racheter le château de Corroy, donc dans la région Jean Bloutens. Oui, je vois bien le château avec et le marquis. Et quelle est son œuvre la plus connue? Il s'est surtout fait connaître pour. Mais il est fait. Un artiste contemporain. Oui, il est fait. Un peu provocateur. Oui. Alors je suis incapable de donner le nom du gaillard. Je me souviens d'avoir vu par presse interposée, la bonne presse évidemment, la saga de l'achat-vente du château avec le marquis qui revenait, qui a repris, etc. Je pense que l'artiste en question fait des œuvres plastiques un petit peu provocatrices, on va l'appeler comme ça, interpellantes, mais je suis incapable de donner son nom. Alors, quel est le principal ingrédient, c'est bientôt l'heure, du Waterzooi gantois? Si je réponds le bouillon, ça fera rire ma femme. C'est vous qui allez le voir. Oui, je l'espère pas. Non, au niveau du cuir. Je dirais les dés de poulet blanc. Le poulet. Ah, ben voilà. Alors, qu'ont fait ou que font ces Bucken de Vlaming? Koen Wouters. Quelle idée. Ingrid Bergmans. Elle a été judokate et lauréate. Lernot en Auspi. C'était pas les meilleurs ces dernières années, tandem, puisqu'ils ont fait en sorte de cracher leur boîte dans ce qu'on appelait la Silicon Valley flamande à l'époque. C'était tout des logiciels de reconnaissance vocale, et donc ça a été un petit peu le petit crash de type Enron à la flamande. Voilà. Eddie Plancarte, on peut remettre la casquette éventuellement. Oui, ça c'est du vélo, mais je sais pas vous dire quelles sont ses qualités. C'est du vélo, son c'est championnat. C'est suffisant. Titre. Arnaud. Oui, oui, chanteur. Voilà. Okay. Il chante sa belgitude avec sa voix grave. Alors, que jette-t-on du sommet de la tour d'Ypres lors des festivités locales? Mais pas Yves Le Terme, en tout cas, encore, puisqu'il est de cette région-là. J'ai aucune idée de ce qu'on peut jeter du côté de Ypres. Alors, quelles sont les fêtes populaires flamandes qui sont un peu l'équivalent des fêtes de Wallonie à Namur? Au niveau vraiment de l'affluence, de la popularité. Bah, c'est la fête du 11 juillet, j'allais justement dire. Il y a celle-là, mais c'est la plus populaire, dirons-nous. Celle qui draine le plus de monde et qui est la plus proche de la base, dirons-nous. Pas uniquement... Je connais les fêtes institutionnelles, donc du 11 juillet, ça oui, pour la fête flamande, le Gordel dans un certain style. Sinon, je l'ignore.
Mon Dieu, je vais péter un questionnaire. Il n'y a pas une seconde cesse. Quel est le surnom des Gantois? Justement, on reste un peu dans la région gantoise. Et pourquoi les appelle-t-on ainsi? Aucune idée. Qu'est-ce que tu en suivant? On connaît la Chimay, la Rochefort et l'Orval. Mais quelles sont les trois trappistes flamandes? Oh là là! Il y a la Corse de Langue, mais je ne sais pas si c'est une trappiste. Non. Pardon. La Blanche de Hougardonne, mais qui n'est pas une trappiste non plus. Il y a la Westmalle. Ça démarre bien. Ça, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre bière trappiste? Je ne sais pas si la boîte est... Elle est vide, voilà. Comme la plupart des réponses que j'ai pu formuler. Un grand merci et vive le succès pour la suite, alors. Merci. Voilà.